l'Ardèche. C'était vraiment le hasard. On s'est arrêté sur l'Ardèche par rapport à l'activité qui était à reprendre. On a juste découvert un bel endroit. C'était sur le bon coin, voilà, une belle annonce. On est venu visiter, ça nous a plu. On est revenu plusieurs fois avec toute la famille, les enfants. Ça a plu à tout le monde. Donc on a dit allez, on a tout vendu et on est venu s'installer ici. On s'est senti bien tout de suite quand on est arrivé. Les gens ont été très contents que l'épicerie rouvre, donc ils nous ont vraiment accueillis les bras ouverts. Tout le monde a bien été accepté. Il y a un vrai dynamisme à Sainte-Eulalie, c'est ce qui nous a fait nous arrêter là aussi. Il y a tous les commerces de proximité, il y a des associations qui font que le territoire vit. Sur Sainte-Eulalie, on a une salle d'escalade, des pistes de ski de fond aussi pour l'autre partie de la saison. On peut faire de la musique pas très loin, on peut faire du théâtre, on peut faire énormément de choses. On s'occupe bien, on fait un jardin pour nourrir un petit peu la famille, on aime bien randonner l'été, on a des jolis sucs à grimper. L'été, chacun vit un petit peu à son rythme, il y a beaucoup de touristes qui viennent. Et l'hiver, après, tout est resserré aussi. On se rend service mutuellement et ça crée du lien qui est important dans une petite communauté comme ça. On est plus proche des gens, c'est vraiment ce qu'on recherchait et c'est génial.